de gens qui croient qu'en fait on abandonne Forêt pour aller sur Molenbeek. Donc non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Forêt reste là avec ses activités, avec son école arabe, avec l'école pour les mamans, donc les seniors, avec les activités, avec l'école de devoirs, avec les cours d'alphabétisation pour les femmes, avec les cours de néerlandais pour femmes, avec les cours de cuisine, avec les sorties culturelles. Tout ça reste à Forêt. Donc sur Molenbeek, on ouvre autre chose. Cette autre chose qu'on ouvre sur Molenbeek, c'est toujours le même programme qu'à Forêt, mais en plus petit. Donc c'est une maison de quartier qu'on ouvre sur Molenbeek, à rue Adolphe Lavallée numéro 39. Et là, on va mettre en place aussi des cours pour les femmes, mais plus culturels. Qu'est-ce qu'on a mis aussi en place? Ah oui, le point important qu'on a voulu mettre sur Molenbeek, c'est l'école arabe ludique. Pour les personnes, donc surtout les enfants, qui ont des problèmes moteurs, physiques, voilà, pour leur permettre.